Yo le gang, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va présenter le booster du petit frère. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo, on a démonté le moteur parce que on a eu un petit souci avec un goujon qui a cassé, donc un rat, le goujon était extrait. Mon pépé il a fait une petite installation avec la petite perceuse à colonne. On va repercer droit, retarder, mettre un hélicoïde. Donc on va vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et puis après je vous détaillerai un petit peu la configuration de ce petit booster fort sympathique. Allez c'est parti. Donc, pour les filets les plus tendancieux à rattraper, il existe ce genre de kit de filets rapportés. Donc là, c'est du M6 en l'occurrence, comme les goujons de booster. Donc, on va vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc déjà, ce qu'il faut faire, première étape, c'est de repercer à plat, bien à plat avec la perceuse à colonne. Là, vous ne pouvez pas vous louper, vous mettez le bas moteur bien à plat. Le but, c'est que on soit pas de travers. Sinon, ça va foirer, votre goujon, il sera comme ça, et ça ne tiendra pas dans le temps. Voilà. Donc on a percé à 6,3, donc c'est ce qui était préconisé, donc hein, c'est ça, pour pouvoir mettre ce filet rapporté. Donc voilà, ce qu'on appelle un filet rapporté, comme celui-là, c'est ceci, avec la petite espèce de petite, j'essaie de faire la mise au point, cette espèce de petite queue de cochon. Donc le filet rapporté, en gros le but va être de faire un taraudage pour pouvoir visser ça, donc on a percé plus gros, de visser ça là où il y avait l'ancien filet, et à l'intérieur, si la mise au point veut bien se faire, on va faire la place, tac. On a un autre filet, donc notre goujon sera à l'intérieur de celui-ci, et le filet extérieur lui sera dans le taraudage qu'on va faire ici, ok? On se met le plus droit possible. Alors on va mettre un petit peu de VD40 ou de pchit-pchit en fait, histoire de pas abîmer l'outil et de faciliter le travail. Qu'est-ce que tu dis? De l'huile de coupe, ouais, de l'huile de coupe, mais si vous n'en avez pas, du VD40 peut faire le boulot, hein. Ça peut dépanner, pépé. Tout à fait. Voilà, donc là un petit peu d'huile de coupe. L'important est de bien se mettre droit. Voilà. Impeccable. Donc là, on voit le copeau qui est en train de se faire. Donc ne forcez surtout pas. Si ça retient un peu, vous pouvez repartir un petit peu en arrière, voilà, comme fait Pépé. Clac, clac, pour casser le copeau. Surtout dans l'alu. Donc voilà, là le tarot a été fait. On va mettre un petit coup de soufflette peut-être, Pépé, t'en penses quoi? On va souffler dessus. Histoire de virer les copeaux restants. Et on va regarder la tronche de notre nouveau filet. Voilà, donc la tronche de notre nouveau filet, il est ici. On le voit bien. Comparé à notre ancien filet, il est bien plus gros. Donc vous aurez bien compris que c'est pour venir visser notre filet rapporté à l'intérieur, qui lui-même est taraudé pour recevoir notre goujon. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc sur votre filet rapporté, vous avez l'espèce de petite queue de cochon qui va venir se casser une fois que ça sera en place. On met ça dans l'outil qui a une petite rainure et on vient donc le visser dans le tarot qu'on vient d'effectuer. C'est michto. Après c'est michto, c'est comme ça que vous dites, hein? Voilà. À la limite, on aurait presque même pu le coller, non? Non, tu Non, penses que pas ça... celui-là. Pas celui-là. On Ok. va prendre l'autre. On collera le goujon dans le tarot intérieur. Ok. Très bien. Donc le deuxième petit outil, c'est de venir vous prendre un angle comme ça. Hop. Donc toujours avec une petite rainure pour la queue de cochon, un petit marteau propre. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre filet rapporté est en place, mais qu'il nous reste de la matière. Alors comment est-ce qu'on va opérer? Eh bien on va en mettre Deuxième cassé. un deuxième cassé qu'on va venir donc raboter, On va venir que Pépé il a ramener ici. préparé, avec le nombre de filets pour venir à ras en fait du carter. Voilà, tout à fait. Donc voilà comment ça présente avec nos filets rapportés. On va juste enlever un petit peu le petit bourrelet qui est ici là. Et sinon on vient bien ras, tu le vois le petit bourrelet là, regarde, on le ressent vachement. Alors ça, on va mettre un petit coup de... C'est même pas un coup de... Ça, je vais mettre un petit coup de lime. Un petit coup de lime gentil, donc en fait il faut faire attention de ne pas abîmer le plan de joint surtout. Celui-là, on va le mettre. Ah, t'en as mis la dose, hein.
Le cylindre, on avait mis au départ un 70 Malossi Sport qu'il a réussi à serrer, ce gros goré. On a mis le Malossi, il a réussi à le serrer parce que jeune homme, mais il n'a pas le temps, quoi. C'est poigné dans l'angle et voilà, il nous a fait un petit serrage. Bon, faut dire que il a bien fait son temps. Donc, on a décidé de. Enfin, j'ai décidé, on a discuté avec Pépé, de repartir sur autre chose. On a pris le 70 Top Perf. J'aime beaucoup par rapport au mal aussi la tête du piston. J'aime beaucoup. Par contre, ce que je trouve un petit peu moins bien que sur le mal aussi, c'est la culasse. La culasse du mal aussi a l'empreinte pour mettre un joint torique. Et je préfère. Mais bon, du coup, on va le monter comme ça. Après, rien n'empêche de mettre la culasse du mal aussi sur le top pair. Nous, on a reçu le kit comme ça. On va déjà essayer voir ce que ça donne. Je l'ai essayé rapidement dans la cour du garage. Ça a l'air d'être assez amusant, assez coupleux. T'as le timer. Donc, allez, remontage du haut moteur. On commence par le joint d'en base. Délicatement, histoire de pas. Le café, clac. Donc, on est sur un petit cylindre fonte. Donc, on n'aura pas de squish ou de différents joints ou cales en base. Ça, je pense que je vous apprends rien parce que enfin, ça a déjà été fait, vu et revu sur pas mal de chaînes YouTube. Voilà. Et l'axe de piston, on n'oublie pas de remettre le clips. Donc là, hop, je viens le pousser au fond. Il y a déjà le clips de ce côté ici. Donc là que je viens le pousser au fond. Et ici, on va mettre le deuxième clips. Là. T'as réussi? Bien sûr. On va pousser un petit peu l'axe de l'autre côté. Donc. Alors, si notre clips il est bien en place. On contrôle visuellement qu'il est dans sa rainure parce que si on le perd, le cylindre il est foutu. Donc là, il est en place. On fait attention en enlevant le papier de ne pas craquer ce petit joint plutôt fragile. Mais aussi de pas faire tomber tes papiers dans le moteur. Faire tomber quoi? Tes papiers dans le moteur. Ok, est-ce que tu as de l'huile là, Ron? Ouais. Est-ce que tu peux aller m'en chercher? Bon, clips en place, joint en place, cage aiguille, tout est ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire. C'est quoi ça? C'est rien. C'est rien. Hop, on se met au-dessus d'un petit bac. Tu filmes ce que je fais, gros. Pour faciliter le montage, donc on prend de l'huile. Là, en l'occurrence, c'est pas l'huile qu'on utilise pour le cylindre, je vous rassure. Juste. On va en mettre, on va badigeonner donc au niveau de l'embase des jupes, histoire de faciliter. Et puis qu'au premier débarrage, ils soient pas trop secs. Clac. Voilà. Le cylindre est monté. Donc du coup, on a voulu faire 4 économies en achetant des goujons Motoforce. Je vous les déconseille. Clairement, l'alliage il est dégueulasse. Donc on a recommandé 4 goujons. On a pris des Poligny. C'était les derniers qu'il y avait en stock. Bon, c'est des grands goujons avec des écrous spécifiques. C'est pas grave. Vaut mieux que ça soit trop long que trop court. Clé dynamo, 1,2 kg. On va déjà rapprocher un petit peu tout ça propre. Clac. Fume pas trop ma tête, hein, monsieur. Voilà, 1,2 kg. 1,2 kg. Donc ça, c'est le goujon qu'on a refait, il me semble. 1,2 kg. 1,2 kg. Terminé. Donc maintenant, on va rebalancer le bloc moteur
façon de parler, encore une fois, on peut le prendre et lui jeter ça, ça. On va le prendre, on va le remettre dans le cadre pour le petit frérot. Je vous fais une détail de la config et on va remonter ça avec Pépé. Je vais poser la caméra et puis let's go. Allez, à tout de suite. Ouais, les petits potes. Alors, je vous filme pas le remontage parce qu'on est super à la bourre et qu'on a pas mal de trucs à faire. Donc, je voulais juste dire sur un petit détail. Lorsque vous avez une configuration comme ça, donc un booster, un nitro, ce que vous voulez, et que vous retirez le démarreur, pensez bien à faire une masse entre votre cadre et votre bas moteur. Ça évitera de vous niquer une bobine tous les 4 matins. Surtout évidemment sur des configurations un peu plus poussées avec des variaux grandes plages où là t'es obligé vraiment de virer le démarreur, t'as un rotor interne, de toute façon la tresse de masse est livrée avec. Là on l'a fait avec du fil normal, on a avec ça, ça va le faire. Donc on poursuit, on a remonté le bas moteur, la jante, l'échappement, en fait on a tout remonté quasiment, il reste le bas de caisse à fixer. On le met en route et je vous fais une petite vidéo. Mais là, faut qu'on active parce qu'on a du taf. Allez, à tout de suite. Bon. Ça va, c'est pas un foudre de guerre. Alors, ouais, il y a pas mal de taf au niveau de la variation. Alors, carburation, il est un tout petit peu trop gras, mais à la limite, je préfère encore que ça soit comme ça que le bordel soit trop pauvre. Donc, il gratte un petit peu, mais bon, enfin, j'ai envie de te dire, c'est un all day. Ce que j'ai pu constater qu'elle est pas, la variation est beaucoup trop lourde. Hein. Le truc, il fait oui. T'as vu comment je mime bien? En gros, il catapulte tout d'un coup, après, oh putain, il est lourd, il retombe et il finit par emmener. Et les ressorts d'embrayage poussés sont trop durs. Donc il y a un petit peu de travail de variation, mais bon, c'est pas grand chose à faire. Pour le rodage, ça ira très bien comme ça. On va remonter la coque arrière, je vous fais juste le petit tour du scooter une fois qu'on l'a terminé. Et puis après, bah, quand Aaron, on sera déconfiné, bah, on vous montrera ce qu'il fait avec. Allez, à tout de suite. Alors, nous y voilà, sur cette beauté divine, mon cousin. Alors, le booster est terminé. Il tourne pas mal pour le rodage. Il sera bien comme ça, un peu lourd, un peu riche. Comme ça, ça lui évitera de faire trop le débile mental, n'est-ce pas, Aaron? Alors, le booster, il présente comme ceci. Donc, face avant BCD, optique BCD, fourche de nitro durcie lissée. Donc quand j'entends lisser, j'entends les attaches de garde-boue nitro. Alors c'est un booster qu'on a racheté dans un état lamentable. Mais genre vraiment, je vais essayer de vous retrouver une photo pour vous montrer. Peint à la bombe, mais d'une dégueulasserie. C'est-à-dire que le mec, il est venu, il a mis sa bombe comme ça, il s'est dit, je vais peindre comme ça, 1 cm, quoi. C'était ignoble. Donc on a refait, j'ai refait tout le moteur. Carter sablé, micro-billet. Du moins, micro-billet, vilebrequin, Doppler, je me répète peut-être, je verrai pendant le montage. Donc, vilo Doppler, axe de 10, le petit vilo à 100 euros. Cylindre 70, donc là on a mis un top noir. Auparavant on avait le 70 mal aussi qui était un tout petit peu plus cher. Pas vraiment plus performant, c'est de la même gamme de cylindres de toutes les manières. Ça reste du 70 fond quotidien. On a un vario mal aussi, et ma chère grande plage, la courroie mal aussi, l'embrayage fly clutch. Correcteur d'origine et transmission d'origine, celui-ci, donc il tire un petit peu court.
On a également l'allumage des nouveaux boosters que je n'affectionne pas du tout. Je préfère celui des anciens. Je trouve que celui-là bride énormément. Encore une fois, j'AMVT, si ça se trouve, un petit rotor interne avec les phares, un jour on va le balancer avec Pépé. C'est pas impossible. Carbu 19 Delorto avec le démontage du boisseau rapide. On a mis un starter à câble parce que le gamin à chaque fois il galérait, puis il est tout le temps sapé, l'autre Balenciaga et compagnie, donc il est tout le temps sapé comme si c'était dimanche et qu'il sortait de la messe. Donc on a mis un starter à câble qui revient au poste de pilotage, comme ça le mioche il se crade pas. Guidon potence, le tune air comme tu veux, comme tu préfères, classique, efficace, sobre. Pépé aurait préféré un noir, nous on préfère le chromé, on trouve que ça rend mieux, enfin couleur alu du moins. Ça coupe un petit peu du noir parce que bon. Rétro BCD, face à en BCD, ça je l'ai déjà dit. Un petit tirage rapide, des poignées pro grip, valeur sûre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme modification sur ce booster? On n'a pas repeint le cadre, par contre on a changé l'ensemble de l'habillage. Un petit disque Wave, le capteur de compteur, on a mis un compteur de VTT du coup, comme ça on peut suivre un minimum l'entretien. On a une VMAX, on a les kilomètres, on a l'heure, comme ça quand il doit rentrer à la maison faire les devoirs. Qui sait, le pot une merveille, le Yasuni R, parfait pour ce genre de config. Je pense que c'est inutile de prendre un C16 pour ce genre de configuration. Moi je l'ai pris sur le Athena Racing, je vous présenterai mon Biwish plus tard, c'est un autre sujet. Donc messieurs, aussi je voulais vous dire, j'ai commandé du matériel pour pouvoir vous faire des bonnes caméras embarquées, micro, GoPro, support, etc, etc, des caméras embarquées en veux-tu en voilà, il va en venir énormément sur la chaîne. Donc restez connectés, abonnez-vous si ça vous fait plaisir, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder les vidéos sans vous abonner, ça m'est égal. Voilà messieurs, bientôt les 1000 abonnés, pour les 1000 abonnés, je vous réserve une spéciale, sans vous spoil, ça a 4 roues, ça va très vite, c'est beau, c'est collection, je vous présente ça aux 1000 abonnés. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres les amis, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi, peace !